Alors salut tout le monde, ici Luffy Keizokun. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Inazuma Eleven 3 Foudre Céleste, sur comment on peut obtenir le maillot de la Dark Team. Notez bien que la Dark Team c'est l'équipe qu'on peut affronter exclusivement dans Feu Explosif. Mais j'ai réussi à avoir leur maillot dans Foudre Céleste, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc tout d'abord faut avoir battu la Dark Sky. La Dark Sky Ange Noir, c'est la fusion des messagers du ciel et d'armée des démons Z, ou Dark Team Sky Team. Faut les avoir battus au mont Magnitude, puis en match amical. Donc regardez, je vais vous montrer le maillot de la Dark Team. Si je, voilà. Donc j'ai les messagers du ciel, les normaux. Là, j'ai réussi à avoir la Dark Team dans Foudre Céleste, et la Dark Sky, puisque je les ai battus en match amical. Donc je vais garder celui de la Dark Sky. Donc pour avoir celui des messagers du ciel, c'est pas dur, faut juste les battre au mont Magnitude qui est ici. Après par contre ce sera le maillot de la Dark Team dans Feu Explosif. Une fois que vous aurez battu la Dark Team, le stade il sera pas bleu comme ça mais il sera orange. Donc, une fois que vous les avez battus, vous obtenez leur maillot. Après, pour affronter les anges noirs, vous avez peut-être pu, si vous avez regardé ma vidéo, je vous explique comment les affronter. Et après, vous les verrez ici, vous allez faire un match contre eux, puis une fois que vous les avez battus, vous obtiendrez le maillot de la Dark Sky des anges noirs. Donc après, vous faites carte. Île du Condor. Stade du Condor, ce sera plus rapide. Vous allez au stade et pas au port. Et après, vous descendez là. Puis, vous descendez tout en bas de la petite tour au centre, comme ça. Regardez ce que je fais. Et quand il n'y aura plus d'escalier, vous verrez un robot, voilà, ici. Que peut-être vous n'avez pas vu avant d'avoir battu la Dark Sky. Donc je vais améliorer, voilà. Donc pour l'avoir, il faut battre la Dark Sky. Enfin moi j'ai fait plein de matchs contre eux. Mais dès que j'ai réussi à avoir le rang S, j'ai obtenu le maillot de la Dark Team. Donc peut-être que c'est dès qu'on les bat au rang S, je sais pas. Bon, moi je l'ai eu comme ça. Alors j'ai fait combien de matchs pour l'avoir? J'en ai fait 4. Au bout du quatrième match, je l'ai eu. Au bout du quatrième aussi, j'ai le rang S. Donc après, vous lui parlez, puis vous avez le maillot de la Dark Team. Qui normalement, on peut pas avoir dans ce jeu-là, mais bon. Remarque, c'est bien, il est beau comme maillot. Bon, et maintenant, après, bien sûr, sauvegarder. Au moins, si jamais il y a un problème, vous aurez toujours le maillot. Et vous aurez toujours battu la Dark Sky. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, Luffy Keizokun. Si vous avez besoin d'aide pour recruter certains personnages, j'ai déjà fait des vidéos et j'en ferai d'autres. Bon, allez, à plus.